Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 mars 2021 et c'est un plaisir pour moi sans cesse renouveler, de me connecter et de m'introduire dans vos vies sans votre permission. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se permettre tout. Hein. Il suffit d'avoir un téléphone, il suffit d'avoir une connexion, et puis on peut faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Dans la nature, il y a tous les goûts. Ce que toi tu aimes, un autre n'aime pas. Donc sur Facebook, on est très bien servi. Il y a tous les goûts sur Facebook. Tout ce qu'on veut trouver sur Facebook, on trouve. Si tu cherches caca, tu vas trouver sur Facebook. Si tu cherches de l'or, tu vas trouver sur Facebook. Si tu trouves du diamant, tu vas trouver. Si tu cherches du diamant, tu vas trouver sur Facebook. Si tu aimes les choses excellentes, tu vas trouver sur Facebook. Si tu aimes le terre à terre, il y en a. Il y a pour tous les goûts sur Facebook. Et aujourd'hui, nous avons la liberté de faire tout ce que nous voulons, de dire tout ce que nous voulons. Quel que soit l'angle dans lequel on va se positionner, on va avoir des gens qui vont nous suivre. Comme je dis souvent, quand tu vas au marché, il y a tout. Quand tu vas chez le boucher, tu peux avoir tout ce que tu veux. Il y a des gens qui achètent la viande sans os, c'est plus cher. Il y a des gens qui achètent avec os, c'est un peu moins cher. Il y a des gens qui préfèrent acheter les tripes. Il y a des gens qui préfèrent les intestins. Il y en a qui vont acheter la peau. Il y en a qui vont acheter la graisse, etc., etc. Je vous donne cette image pour dire que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout ce qu'on veut. Avant-hier, j'ai un de mes amis, de mes ex-amis Facebook, un jeune homme, qui a fait une publication dans laquelle il a tenu des propos très insultants à l'encontre de M. Barthélémy Inabo. Et j'ai fait un commentaire sur sa publication. J'ai dit, mais ce monsieur, il pourrait être ton père. Est-ce que tu ne peux pas exprimer ce que tu as à dire sans l'insulter? Il est venu me répondre assez violemment et que lui ne pouvait pas accepter qu'on insulte sa vitale et que tant qu'une personne va insulter sa vitale, il va réagir. Et que il faut que j'arrête mes façons de vouloir moraliser les gens. Et puis je suis sorti de la publication, je suis passé à autre chose. Hier, il fait une vidéo sur laquelle il me tag, je ne sais pas si c'est sur laquelle ou dans laquelle, en tout cas, il m'identifie. Et Facebook me donne la notification, et donc je vais écouter, parce qu'il fait souvent des vidéos, il parle de la Côte d'Ivoire et tout. Et donc je vais écouter la vidéo. Au moment où je me connecte, je me suis connecté peut-être 2 minutes après avoir eu la notification. Je l'entends qui dit que ce n'est pas parce que tu as fait un zoom avec Madame Gbagbo que tu crois que tu es arrivé. Moi, je les connais. Nous aussi, on connaît des gens. Et puis, il dit deux choses là. Et puis, je demande, c'est de moi que tu parles? Parce que j'écris quoi? C'est de moi que tu parles? Il dit, oui, c'est de toi que je parle. Et puis, je n'ai pas peur de toi. Mais moi, je ne pensais pas que j'étais un épouvantail ou bien je ne pensais pas que j'avais un masque ou je ne pensais pas que j'allais effrayer quelqu'un. J'ai juste demandé si c'est de moi qu'il parlait. Il dit, oui, c'est de toi que je parle. Et puis, tu ne me fais pas peur. Et donc, je ris et puis je sors de là. Et puis, je l'ai bloqué. Quelques minutes plus tard, bon, je ne me suis plus trop occupé. Quelques minutes plus tard, je crois que j'ai fait une publication dans ce sens-là pour dire que ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux qu'on va répondre à une personne qui est plus âgée que nous et qu'on va l'insulter jusqu'à descendre dans sa vie privée et tout et tout. Tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a eu un challenge qui a été lancé
un challenge que j'ai initié, que nous avons trouvé, que nous avons tous porté et qui a eu aujourd'hui ce succès, on va dire, planétaire. Le challenge est IV capable. Le challenge est IV capable est né de quoi? Il est né justement des injures qu'une personne a tenues envers une autre qui peut la mettre au monde pendant près de, on va aller dans la deuxième année, ça fait un an et demi au moins, qu'une personne, ils sont deux, un homme et une femme, ont de façon systématique insulté Madame Gbagbo depuis l'année dernière, depuis fin 2019 et toute l'année 2020. Et ces derniers mois, c'est devenu pire. C'est justement cette façon de se comporter sur les réseaux sociaux que j'estime aller contre nos valeurs. Que en réponse, parce que j'estimais que répondre aux injures par les injures, ça ne résout rien. Au contraire, ça aggrave la situation. Et dans cette quête de vouloir donner une réplique qui va mieux avec nos valeurs, que Dieu a inspiré ce challenge-là. Et ce challenge a eu le succès. Pourquoi ce challenge a eu ce succès? Parce que justement, la majeure partie de la population qui ne dit jamais rien, mais qui est pourtant existante, voit tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire relativement à Madame Gbagbo. Donc les gens, ils en avaient marre, ils en avaient ras-le-bol d'entendre toutes ces insanités qu'on racontait sur la dame. La réaction de ce challenge, c'est la réponse à cette masse laborieuse qu'on ne considère peut-être pas qui a répondu. Parce que de façon culturelle, on n'a jamais accepté qu'on insulte une personne âgée. Ça fait partie de nos valeurs. Et c'est des choses que nous ne devons pas perdre. Et moi, je ne joue pas à la moralisatrice sur Facebook. Je fais partie de cette génération-là qui a été éduquée d'une certaine façon. Et Facebook, ce n'est pas parce que ça nous donne la possibilité de dire tout ce qu'on veut qu'on peut se permettre tout. Ensuite, j'ai vu passer une publication de Silver KB, je pense, une publication de First Magazine qui rapportait les propos d'un autre qui est en train d'insulter en bonne et due forme M. Barthélémy Nabo, pour la même raison. J'ai fait un commentaire là-bas aussi. J'ai dit, mais n'importe qui se lève, il peut se lever puis traîner des propos insultants comme ça sur une personne qui est plus âgée qu'elle. Et on va permettre ça. Mais je pense qu'on a un minimum d'éducation quand même. Donc, il y a eu les pour, il y a eu les contre. Comme toujours, on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. On ne peut pas faire l'unanimité. Même si je dis que le mur qui est en arrière de moi là est de couleur crème, il y en a qui vont trouver que c'est jaune, il y en a qui vont trouver que c'est blanc, il y en a qui vont trouver que... Donc, les goûts ne se discutent pas. Mais je pense que comme société, nous avons des règles. Des règles que nous devons préserver. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont considérés comme quoi? Comme des mal-parleurs, comme des insulteurs. Ça fait rire peut-être, mais moi ça ne me fait pas rire. Moi ça ne me fait pas rire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont monopolisé les réseaux sociaux. 80, je vais dire peut-être 70% des Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des influenceurs, passent leur temps dans les clashs à insulter tel, à insulter tel autre. Et puis, il y a des groupes, il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui ne soutiennent pas. Tout m'est permis. Mais est-ce que tout m'est utile? Tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile? Et dans moi, ma prise de position par rapport aux injures à l'encontre de M. Barthélémy Nabo, plusieurs n'ont pas compris. Oui, mais il a dit ça, il a dit ça. Je dis, peu importe ce qu'il a dit, est-ce que ça nous donne le droit de l'insulter comme ça, entrer dans sa vie privée? Insulter son physique. Si on veut répondre, si on estime qu'il n'a pas été sage, parce que plusieurs disent qu'il n'a pas été sage, il aurait dû dire ça, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû aller sur la place publique, il aurait dû aller appeler la fille, et puis lui dire ça inbox, et puis tout, et puis ceci, cela. J'ai dit, peu importe ce qu'il ait dit.
Est-ce que ça nous donne le droit, nous, en tant que société, d'applaudir que des enfants que cet homme peut mettre au monde viennent sur la place publique et l'insulter, jusqu'à descendre dans sa vie privée, jusqu'à insulter son physique, parce que selon eux, il a insulté une artiste? Est-ce que ça nous donne ce droit, comme société? Moi, c'est dans ça que je m'inscris. Je n'ai rien contre quiconque. Mais je pense que la pente sur laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Elle est très dangereuse pour notre futur commun. Si quelqu'un insulte, nous, ça nous donne l'occasion de nous défouler peut-être. Comme société, nous avons plein de blessures que nous n'avons pas réussi à extirper. Parce que depuis 2002, il y a eu beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une guérison nationale. C'est comme ça que je comprends ça aujourd'hui. Et avec les événements de 2011, ça s'est empiré. Notre société a besoin d'être soignée psychologiquement. Parce que quand, en Côte d'Ivoire, une députée se met à insulter l'intimité d'une autre femme et qu'elle est fière de publier ça sur les réseaux sociaux, il y a un problème. Notre société a un réel problème. Et c'est ce que je voudrais... c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention de tous. Aujourd'hui, on a envie de se défouler. On a des frustrations qui sont enfouies en nous, qui n'ont pas été extirpées. Donc, tout est moyen pour se défouler. Mais n'applaudissons pas ça, s'il vous plaît. N'applaudissons pas ça, n'encourageons pas ces enfants qui viennent insulter des personnes plus âgées qu'elles sur la place publique. N'encourageons pas ça. Et maintenant, on me dit, j'ai une amie qui m'a envoyé le texte de ce que aurait dit M. Barthélémy Nabo. J'ai publié ça. Et j'ai dit, c'est ça là qui fait qu'il mérite toute cette levée de bouclier. On ne l'attaque pas sur ce qu'il a dit. On ne décortique pas ce qu'il a dit. Mais on l'insulte carrément. On insulte son physique, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. On rentre dans sa vie privée, on met sur la place publique ses déboires familiaux et conjugaux. Quel est le lien? Quel est le lien? Et pour avoir parlé de ça, quelqu'un va faire un direct. C'est-à-dire un enfant que moi je peux mettre au monde, il décide de faire un direct, il m'invite à son direct pour m'insulter. Vous voyez jusqu'où le culot peut aller? Parce qu'on a la possibilité de faire des vidéos, on a un téléphone, on a une connexion, alors on a le droit de faire tout ce qu'on veut en piétinant nos valeurs, en piétinant l'éducation que nos parents nous ont donnée. Cet enfant-là, il décide de faire une vidéo pour me clasher. Parce que je lui ai dit qu'il pouvait s'exprimer, il pouvait envoyer un message à M. Barthélémy Nabo sans l'insulter parce que ce monsieur peut le mettre au monde. Et donc, lui, il décide de faire un direct et il pousse l'outrecuidance jusqu'à me taguer, à m'inviter à venir écouter sa vidéo où lui, il a décidé de m'insulter. Et puis, je suis obligé d'écouter ça. Non, je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Et je suis désolé. On est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire des ennemis. Mais je pense qu'on peut utiliser ce canal-là pour changer des choses dans notre société. Et nous avons réussi avec le challenge et Yves Capable. Nous avons réussi. De façon collective, nous devons aller contre ce genre de comportement. Au lieu d'encourager quelqu'un à insulter une personne plus âgée sous prétexte que cette personne n'a pas été sage, mais en encourageant les injures, où est notre sagesse? Nous qui estimons qu'il n'a pas été sage là, où est notre sagesse quand nous encourageons des enfants à insulter une personne qui est plus âgée, qui est soi-disant pas sage? Et nous, quand on encourage les injures là, nous sommes sages comme ça? Et donc, sur la publication écrite que m'a envoyée ma sœur
Marie Barbe Fadiga. Il y a une autre qui a dit, c'est parce que tu n'as pas écouté la vidéo. Et que si tu avais écouté la vidéo, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Parce qu'il a exagéré dans la vidéo. Et quelqu'un a mis le lien de la vidéo. J'ai écouté cette vidéo ce matin. Parce que je n'avais pas encore écouté la vidéo. Et malgré le fait que je n'avais pas encore écouté la vidéo, j'avais pris position. Moi, je ne cherche pas à savoir si M. Barthélémy Nabo a insulté ou la fesse. Non, ce que je dénonce, c'est cette facilité que nous avons aujourd'hui d'insulter. Peu importe la personne qui est en face de nous. Et de façon collective, il y a une partie de la population qui applaudit et il y a une autre qui dénonce. Quand, comme société, on accepte qu'une jeune fille et un jeune homme se mettent à insulter depuis un an Madame Gbagbo, qui est l'ex-présidente de la Côte d'Ivoire, qui est l'épouse de notre président, qui a été députée, qui a 71 ans, et qu'une jeune fille qui n'a même pas 50 ans, un jeune homme qui n'a même pas 50 ans, décide d'insulter la dame jusqu'à entrer dans son intimité sur la place publique et qu'il n'y a personne qui lève le petit doigt. C'est-à-dire, dans quel type de société nous sommes aujourd'hui, Ivoirien? Dans quel type de société nous sommes? Et quel type de société nous voulons laisser à nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Moi, je me suis connecté, je suis en train de faire un direct, vous me suivez. Et donc, parce que j'ai cette possibilité, alors je raconte tout ce que je veux, et puis il y a des gens qui vont applaudir ça. Je dis non. Je dis non. Je m'insurge contre ça. Je vais vous présenter la vidéo. Je vais repasser encore. Si tu n'es pas d'accord, c'est qu'on lui a reproché. Elle n'a qu'à faire ça bien. C'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc tu es d'accord avec le fait que Vital ne sache pas chanter. Elle ne sait pas chanter, elle sait. Et faut qu'on apprenne à chanter. Quand tu vois une dame comme Aïcha Kone qui chante, elle a dit à ses enfants, toi tu n'es pas encore prêt pour chanter. Mais c'est normal. La chanson, là, on apprend. C'est pas parce que tout le monde parle à le micro qu'on est des présentateurs. Normalement, on apprend. Si tu ne sais pas faire, on fait. Moi, j'aurais bien voulu que Vital apprenne à chanter correctement. Vital, c'est dans ce au départ. C'est la grande chanter. Nous, on l'a fait pour Ziké. Ziké, c'est un grand danseur. On lui a dit, tu veux chanter, il faut apprendre à chanter. Il a appris à chanter à Yopougon. Mais vraiment, nous-mêmes, on allait le regarder chanter. Il s'est défoncé pour apprendre à chanter. Et quand elle a chanté, elle a sorti son premier album, ça collait. Ça a pris. Mais il faut apprendre. Faut pas, ce n'est pas une injure qu'on dise, tu ne sais pas.
c'est clair. Hein? Oui. Papa Barthélémy, il a beau dire tu ne sais pas chanter, il faut apprendre à chanter. Voilà, point final. Apprenons même pas plus. Et donc, hier, il y a eu un débat houleux. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, regarde, il faut te concentrer sur ta campagne et il est capable. Il faut laisser tout ça là, il ne faut pas entrer dans les buzz et tout. Ce n'est pas méchant comme conseil, hein, pour ceux qui m'ont dit ça. Mon fils Ange Corneille, ce n'est pas méchant le conseil que tu m'as donné et plusieurs autres. Mais le challenge et il est capable, il a été déclenché justement à cause des injures. Il a été déclenché justement à cause du manque de respect. Il a été justement déclenché à cause de la perte vertigineuse de nos valeurs. Alors, je ne crois pas que pour quelqu'un qui est en train de faire la promotion de nos valeurs, je me taise quand je vois ce genre de choses. Peu importe qu'on soit d'accord avec Barthélémy Nabou ou pas, là n'est pas moi mon souci. C'est pas ça mon souci. Vous ne comprenez pas. Que Barthélémy, que M. Barthélémy, monsieur mon grand frère, que M. Barthélémy Nabo se mette sur une chaîne musicale, on lui a posé une question, il a dit ce qu'il pensait. Que ce soit bien dit ou mal dit, c'est pas ça moi mon problème. Mon problème, c'est que des enfants se lèvent, se donnent le droit d'insulter. C'est ça. Le challenge est Yves Capable, je dis que c'est un état d'esprit. C'est un concept qui se bâtit autour de nos valeurs. Nous avons des valeurs, ne perdons pas ça de vue, frères et sœurs. Je n'encouragerai jamais quiconque à insulter une personne plus âgée. Non. Peu importe ce que la personne fera, on a un minimum de bienséance, on a un minimum de courtoisie qu'on doit observer. Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Il ne faut pas confondre cette façon, cette propension que nous avons aujourd'hui à faire croire que nous disons ce que nous pensons et confondre ça avec la mauvaise éducation. Je m'inscris en faux dans ça. Je m'inscris en faux dans ça. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un réseau social. Utilisons-le pour plutôt éduquer. Au lieu d'encourager ce type de sortie où un enfant qui est peut-être né en 95 ou en 90 ou bien quoi va se mettre sur les réseaux sociaux, insulter une personne sans retenue et on va l'applaudir, mais la personne, l'enfant va continuer et demain ça va se retourner contre nous comme société, hein? Parce qu'on l'aura encouragé aujourd'hui, demain il va franchir un pan plus élevé. Parce qu'on ne l'aura pas recadré. Oui, petit, tu as des raisons de t'énerver. Tu as des raisons d'être choqué par les dires d'une personne. Mais tu peux le dire autrement. On ne peut pas le dire autrement. On ne peut pas faire une vidéo et puis dire que vraiment, moi je n'ai pas apprécié ça, mais monsieur Inabo, vous auriez pu dire comme ça. Au lieu de dire comme ça, vraiment, monsieur Inabo, moi je trouve que c'est choquant, c'est humiliant, c'est frustrant, etc., etc. Mais insulter le monsieur, le traiter de porc, rentrer dans sa vie privée, dévoiler des choses, c'est quoi ça? Et c'est à ça là qu'on assiste. Et puis moi, vous voulez que j'applaudisse? Non, je n'applaudis pas. Je ne suis pas une moralisatrice, non. Mais je suis une personne qui pense que nous avons des valeurs comme société. C'est quel message nous envoyons au reste de l'Afrique? Les Ivoiriens sont connus sur la toile, pourquoi? Pour faire des clashs. Les Ivoiriens sont connus sur la toile pour être des mal-parleurs. Moi, je n'en suis pas fier. Je n'en suis pas fier. Ce n'est pas une fierté pour moi. Maintenant, j'ai écouté la vidéo. J'ai dit, ah, c'est ça là. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit, c'est ça là. C'est ça là qui donne le droit à des enfants. C'est surtout ça même qui me choque. C'est ça qui donne le droit à des enfants de venir insulter ce monsieur sur la place publique. Ça là qu'il a dit là. Il y a école pour tout. Il y a école pour tout.
Même école de théâtre, là, il y en a. Et les gens disent, pour faire rire, là, on a besoin d'aller à l'école. Moi, j'ai fait l'école de théâtre. J'ai fait l'école de théâtre. De 87 à 89. Oui, on va à l'école pour faire théâtre. Ici au Canada, ici là, on va à l'école pour faire théâtre. On va à l'école d'humour. Alors si quelqu'un t'a dit un truc sur les réseaux sociaux que ça t'a choqué, mais que ça fouette ton orgueil, tu te retires, tu prends 2 ans, tu frappes tes cours, des choses. Quand tu ressors, la société entière va ouvrir les yeux, la bouche. Et vous, les autres qui venez faire des vidéos pour soutenir votre vital, vous avez absolument le droit. Mais ce qui, moi, me choque, c'est que vous insultiez un monsieur. Vous insultiez une personne qui peut vous mettre au monde. Vous insultiez une personne qui a un parcours. Une personne qui est un être humain qui a fait ses erreurs. Nous tous, on a fait des erreurs. Nous tous, on a pris des positions, on a fait des choses. Tous. Mais quand on me ressort ça aujourd'hui, oui, il a fait ça telle année, il a fait ça telle année, c'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs aujourd'hui? Hein? C'est de ça qu'il est question. Et comme société, nous devons nous pencher dessus. Parce que ces enfants-là, c'est eux qui vont nous remplacer, hein? Ces enfants qui font les clashs aujourd'hui, les vidéos de clash là, c'est eux qui vont nous remplacer. Parce que ceux-là, ils ont l'âge. Ils sont plus. Mon fils aîné est plus âgé que celui qui m'a tagué hier là. Mon fils aîné est plus âgé que lui. Et parce que lui, il a son téléphone et sa connexion, il se donne le droit de faire une vidéo, de me taguer sur la vidéo. C'est lui qui me dit, Eben Boané, viens, je vais t'insulter. Il fait sa vidéo. Et puis il me dit, c'est même pas Eben Boané, c'est maman, viens t'asseoir, tu vas m'écouter, je vais t'insulter. On peut être culotté à ce point. À la limite, fais ta vidéo et puis peut-être quelqu'un va me l'envoyer. Mais tu ne peux pas m'inviter à venir m'asseoir et puis tu vas m'insulter. Parce qu'on est amis sur Facebook. Non. Non. Il faut que comme société, on se mette ensemble, comme on s'est mis ensemble pour le challenge et y vivre capable. Le challenge et y vivre capable, je ne l'ai pas fait toute seule. Si vous n'étiez pas là, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Mais donc, comme société, mettons-nous ensemble pour aller contre ce genre d'attitude, je vous en prie. Ne les cautionnons pas, ne les justifions pas. Parce que quand on vient me sortir que, oui, il n'a pas été sage, il devait tourner sa langue 7 fois d'abord, pourquoi il ne l'a pas envoyé un message inbox, pourquoi, donc c'est à cause de ça, mais il tient un plateau de télé, c'est un animateur. Ce monsieur, il a fait ses preuves dans la Côte d'Ivoire, c'est un monument aussi. Alors qu'on ait un peu de déférence, qu'on ait un minimum de déférence quand même. Et je réitère mes propos, je réitère ce que j'ai dit hier. Mais après avoir écouté la vidéo, là même, c'est pire. Parce que c'est pas à ça là que je m'attendais. Je m'attendais à, je sais pas. T'es ramassé. Si tu n'es pas d'accord, c'est qu'on lui a reproché, là, elle n'a pas fait ça bien. C'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc tu es d'accord avec le fait que Vital ne sache pas chanter. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Et faut qu'on apprenne à chanter. Quand tu vois une dame comme Aïcha Kone qui chante, elle a dit à ses enfants, toi tu n'es pas encore prêt pour chanter. Mais c'est normal. La chanson là, on apprend. C'est pas parce que tout le monde parle à le micro qu'on est représentateur. Normalement on apprend. Si tu ne sais pas faire, moi j'aurais bien voulu que Vital apprenne à chanter correctement. Vital s'est lancé au départ. Tu l'apprends à chanter. Nous on a fait pour Zike. Zike c'est un grand danseur. On lui a dit tu veux chanter, il faut apprendre à chanter. Il a appris à chanter à Yokogon. Mais vraiment, nous-mêmes on allait le regarder chanter. Il s'est défoncé pour apprendre à chanter. Et quand il a chanté, il a sorti son premier album, ça connaît. Mais il faut apprendre. Ce n'est pas une injure qu'on dise tu ne sais pas chanter. Tu dis oui c'est vrai.
Moi, je voudrais apprendre que je sais chanter. Et puis, tu apprends à chanter. D'accord. Donc, Vital, voilà qui est clair. Hein? Oui. Papa Barthélémy Nabo dit tu ne sais pas chanter. Il faut apprendre à chanter. Voilà. Point final. On apprend tout. Il y a école pour tout. Il y a Lina qui est là. Ma fille Vital, tu as été choquée. C'est normal. Tu es un être humain. Mais au lieu que tu prennes ça mal, c'est-à-dire que c'est sûr que sur le champ, c'est choquant parce que tout le monde a entendu. Mais peut-être qu'il a dit ce que plusieurs pensent bas. Moi, je ne sais pas comment. Je ne connais pas tes chansons. Peut-être qu'il a dit ce que plusieurs pensent bas. Je me rappelle même qu'une fois, il y a une animatrice qui avait dit que quand tu chantes, ça donne envie de se suicider. Bon, moi, je ne connais pas tes chansons. C'était choquant. Ça, c'est choquant. Qu'on dise que quand quelqu'un chante, ça donne envie de se suicider. Ça, je trouve ça choquant. Et même si on devait répondre à cette animatrice, on n'avait pas besoin de l'insulter, d'entrer dans son intimité, sortir des informations qu'on a sur sa vie privée et tout. Non, on vient, on lui dit, mais non, tu ne dois pas dire ça à la personne. Il y a la manière de dire les choses. Donc, ma fille Vital, Monsieur Barthélémy Nabo t'a choqué que ça fouette ton orgueil. Va t'inscrire à un cours de chant. Tu vas être la première à bénéficier de ça. Il y a école pour tout. On apprend tout. On a des prédispositions naturelles, mais c'est bon quand on ajoute des choses de ce qu'on apprend dans une école spécialisée. Maintenant, vous qui faites des vidéos, qui venez insulter, et puis vous, des gens de ma génération, qui venez justifier les injures envers ce monsieur, mais moi, ça me choque. Ça me choque. Merci beaucoup à celle, je ne sais plus c'est qui a publié, qui a mis le lien de la vidéo là sur ma publication. Ça m'a permis de voir. Et puis quand j'ai fini de voir, j'ai dit c'est ça là. Donc c'est ça là que M. Barthélémy Nabo a dit là. Qui justifie qu'on vienne l'insulter comme ça sur la place publique. Revoyons comment on appelle ça? Revoyons un peu nos codes. Revoyons un peu nos codes, s'il vous plaît. On s'en va à la dérive. Regardez autour de vous, regardez un peu comment ça se passe dans notre pays. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Rassurez-vous, celui qui m'a invité sur son direct là, quand je suis sorti de là, je l'ai bloqué. Donc je ne verrai plus ces... Je ne pouvais pas savoir que c'est de moi qu'il allait parler dans la vidéo. Puisque lui et moi, on est amis. Et il fait souvent des vidéos. Il prend souvent la parole par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je ne pouvais pas imaginer que c'est moi qu'il allait insulter. Je ne serais pas allé là-bas. Il paraît qu'il y a une qui a fait un clash sur moi il y a 2 ou 3 mois. On m'a dit ça. Je n'ai pas cherché à aller voir. Non. Je ne suis pas le genre qui se nourrit de crottes. Non, non, non. Je ne suis pas le genre qui aime patauger. Non. Donc, si on me dit que quelqu'un a fait un clash sur moi, mais je ne vais pas écouter. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne pensais pas que c'est de moi qu'il allait parler dans la vidéo, qu'il m'invitait à venir écouter les injures qu'il allait me donner. Je ne serais pas parti. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas de ce type-là. Et je pense que, par rapport au challenge IV capable, qui est un concept qui nous réunit, qui nous rassemble autour de nos valeurs, je ne peux pas voir ce genre de choses et puis me taire. Je suis désolé. Loin de vouloir être la moralisatrice de Facebook, je pense que nous avons des valeurs et que nous devons ensemble, comme société, essayer de trouver des moyens pour endiguer. Parce que ceux-là, c'est eux qui vont nous remplacer demain. Ceux qui font les vidéos, je dis, qui insultent et puis qui font les clashs à longueur de journée, puis plein de personnes sont là-bas à écouter. Là. Vous ne voyez pas le signal que ça envoie à nos lendemains? Vous ne voyez pas le signal? Quelqu'un va faire une publication pour parler du café cacao en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les planteurs ne gagnent pas? Vous allez voir, il y a 10 personnes qui suivent. Mais allez-y écouter une vidéo de clash. 20 000 personnes en ligne. C'est inquiétant pour le futur. C'est inquiétant pour le futur, je vous dis. Et aujourd'hui, nous rions. Mais ceux-là, ce sont les adultes de demain. C'est quoi, eux, ils vont dire à leurs enfants?
Et vous qui encouragez, qui dites que M. Barthélemy Nabo n'a pas bien fait, c'est bien fait pour lui là. Vous là, si demain on vous envoie comme ça sur la place publique là, vous serez content. Parce que ces enfants là que vous nourrissez là, ça dit vous les nourrissez, vous encouragez ce qu'ils font, vous les nourrissez. Vous êtes en train de faire grossir le ver de terre. Au fur et à mesure que vous mettez de l'eau, vous les encouragez et tout, ils grossissent. Ce sont des serpents qui vont vous dévorer demain. Et c'est cette société là que nous sommes en train de construire comme ça, qui est en train de se construire sous nos yeux. C'est l'expression de notre société là que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et on doit applaudir ça? Non, moi je n'applaudis pas. Non, je ne peux pas applaudir ça. Et il faut arrêter d'encourager ces enfants là. Est-ce que vous pensez que si de façon unanime, tout le monde avait condamné les propos de cet enfant qui a fait la vidéo, qui est devenu aujourd'hui une star dans les réseaux sociaux, qui est, il paraît que c'est un grand influenceur. Si à l'unanimité, personne n'avait voulu même savoir qu'est-ce que M. Barthélemy Nabo a dit, et que de façon collective, nous tous, on avait critiqué ça hier, vous pensez que demain, cet enfant va faire encore une autre vidéo? Mais en l'encourageant comme ça, il va faire une autre vidéo. Peut-être même qu'il va me clasher aussi. Parce qu'il paraît que lui, quand il parle là, c'est ça, hein? Je ne vais pas dire son nom. Donc, sûrement que quelqu'un va lui envoyer ma vidéo. On va dire, elle n'a pas dit ton nom, mais on sait que c'est de toi qu'elle parle. Et puis peut-être il va faire une vidéo pour me clasher. Et puis il va avoir 20 000 personnes en train d'écouter sa vidéo où il clash Ben Boigny. Et puis après, la journée va passer. Et puis on va oublier. C'est ce qu'on veut comme société? Non. Je dis non. Il n'est pas tard, hein? Il n'est pas tard. Je réveille, j'éveille et je veille. Je réveille, j'éveille et je veille. Il y a des gens comme ça. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur la société que nous sommes en train de construire. Sur les futurs dirigeants. Parce que tous ceux qui font les clashs, il y en a qui vont vouloir être députés demain. Tous ceux qui font les clashs aujourd'hui, là, dans 5 ans, dans 10 ans, il y en a qui vont avoir envie d'être députés. C'est avec ça qu'ils vont aller être députés. Vous avez vu ici, là, ceux qui, Johnny Pacheco voulait être député. On ne se souvient pas de ces termes sur Facebook. On ne se souvient pas de ces termes sur Facebook. C'est lui là qui allait être député à l'Assemblée nationale. Frères et sœurs, revoyons nos codes. Le message que nous envoyons au reste de l'Afrique est très désastreux. Le message que nous envoyons au reste de l'Afrique est très désastreux. On nous dit qu'on est avant-dernier en termes d'éducation en Afrique francophone. Ça ne nous choque pas. Moi, ça me choque. Et on n'avait même pas besoin même de ce classement-là pour voir comment ça se passe dans notre pays. Alors, utilisons les réseaux sociaux pour essayer de... On peut, on est capable. Mais collectivement, insurgeons-nous contre ce genre d'attitude. Je vous en prie. Peu importe ce que quelqu'un va faire, n'acceptons pas que des gens, des enfants viennent insulter des gens sur la place publique. N'acceptons pas ça. Vous me connaissez? Vous savez que moi, je ne suis pas pour la politique de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais vous m'avez une fois entendu l'insulter? Vous m'avez entendu une fois insulter M. Alassane Ouattara? Non, je ne l'insulte pas. Je ne m'insulte pas. Et comme société, inscrivons-nous dans ça de façon collective, je vous en prie. Inscrivons-nous dans ça, je vous en prie. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que je voulais faire ce matin. Je vous ai fait écouter la vidéo. C'est humiliant, c'est insultant, c'est rabaissant pour Vital. Qu'elle prenne des cours
qu'elle se sente fouettée dans sa dignité, qu'elle aille prendre des cours, elle va être la première à gagner. Mais venir faire des vidéos pour insulter les gens, je dis non aujourd'hui, je dis non après demain. Je dis non jusqu'à oh là là. Nos valeurs sont en train de se perdre. Et avec notre complicité tacite, justifier ça là, c'est qu'on est en train de se faire actuellement contre M. Barthélémy Nabo. Je dis non. Je dis non. Nous avons des valeurs, s'il vous plaît. Et comme société, trouvons ensemble des solutions. Au lieu d'aider des plantes dangereuses à pousser. Parce qu'en encourageant ça, là, on verse l'eau dessus. Ça va pousser, ça va devenir quoi demain? Quand on sera vieux, on sera rendu à 70 ans, c'est là qu'on va vouloir parler. Non, c'est maintenant qu'il faut parler. Et peu importe ce que les gens vont dire, jamais je n'accepterai qu'on vienne insulter quelqu'un. Non. Je me rappelle très bien qu'il y a une de mes grandes soeurs qui avait fait une vidéo une fois, qui avait insulté Mme Alassane Dramane Ouattara. J'avais fait une vidéo pour dire que je n'étais pas d'accord. On peut le faire autrement. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux le dire autrement. Mais insulter quelqu'un, je dis non. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a failli tomber, je ne sais pas où, à Yamoussoukro, quelque chose comme ça. Les gens se sont moqués. J'ai dit, mais non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le monsieur, on a beau ne pas aimer sa politique, mais c'est une personne âgée. Si elle veut tomber, on ne doit pas rire. Mais je dis ça, oui, c'est parce que je suis devenu pro-ado. Mais non, arrêtons les raccourcis là. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons d'encourager ce genre de choses, je vous en prie. Nous allons être les... Parce que demain, si on n'a pas réglé ça aujourd'hui, de façon collective, parce qu'une seule personne ne peut pas le faire, comme je dis, la campagne, il est capable. Si vous n'aviez pas été avec moi dedans, ça n'allait pas aller quelque part. On l'a fait de façon collective. Donc, de façon collective, il faut qu'on refuse ce genre d'attitude. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison à X ou Y. Et les gens ne me comprenaient pas hier. J'ai dit non, c'est pas qu'il a raison ou pas, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on ne doit pas venir insulter une personne sur la place publique de cette façon. C'est notre image aujourd'hui. C'est l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est pas une bonne image. Et si aujourd'hui, on ne se lève pas pour condamner ce genre d'attitude, quand nous serons rendus à notre vieillesse, quand on aura les 70 ans, les 80 ans, il sera trop tard, je vous dis. Ça a commencé tranquillement. Et aujourd'hui, regardez où ça arrive. Pour qu'un enfant ait le courage comme ça de se mettre une vie, et puis parler, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens derrière. Et pendant ce temps, il y en a qui viennent dire, oui, c'est vrai, tu as raison, il a essayé. Et puis on l'insulte, il est comme ça, il est comme ça. Non, ne faisons pas ça, je vous en prie. Il n'est pas tard, hein. Il n'est pas tard. Il faut que, ensemble, nous tapions du poing sur la table quand on voit ce genre de choses sur les réseaux sociaux. De façon collective, faisons-le. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Pour ceux qui ne m'ont pas compris hier, pour ceux qui m'aiment beaucoup, je sais, et qui m'ont dit non, il ne faut pas te mettre dans ces genres de buzz. Non, ce n'est pas une affaire de buzz. C'est une question de valeur, c'est une question d'image d'un pays, c'est une question d'éducation. Donc à ceux-là, je dis que puisque je pense que, je dis que le challenge est capable, c'est pour nos valeurs, je ne peux pas voir ce genre de choses et puis me taire. Non, je ne peux pas voir ça et puis me taire. Il faut que nous changions nos façons de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous aime très fort. Et la réflexion, elle doit continuer de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Chacun doit faire sa part. Ce n'est pas avoir les 50 000 vues qui fait que ce qu'on dit est constructif ou nourrissant pour l'âme de ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas le nombre de vues. Ce n'est pas le nombre de suiveurs. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont en ligne quand on fait un direct qui fait de nous une personne qui apporte à sa société. On peut apporter à sa société de plusieurs manières.
Utilisons les réseaux sociaux. Et puis, on peut arrondir certains angles. N'encourageons pas les injures. N'encourageons pas le manquement de respect aux personnes qui sont plus âgées que nous. Ne le faisons pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. Et puis, celui qui m'a invité sur son direct hier, je l'ai bloqué, donc je ne verrai plus ses publications. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'il a commencé un jour et on l'a encouragé, qu'il a eu le courage de m'appeler. Maman, viens, je vais t'insulter. Et peut-être que certains vont faire des clashs aussi pour me répondre. Et puis des gens vont les encourager. Il faut que de façon collective, nous arrêtions d'encourager ce genre de choses. Il y va de notre société. Il y va de l'avenir de notre société. On est assez descendu comme ça. Vous ne trouvez pas? Bonne journée à tous.